Bon allez, c'est la bonne. Non pas câble, il est mis de la vie là. Allez. Écartez-vous de lui hein. Il est mort par la grenade abyssale, du coup il a pas pété. Je voulais lui mettre un... Je suis trop bête, il me fait un interlement super, je suis en train de taper le finisher. Ah j'ai pas réussi, il m'a donné des pertes l'autre. C'est vous qui avez lancé une fusée? Je croyais qu'on avait plus le droit d'avoir des fusées depuis que... Non, mais l'américain il a pas de notre niveau. Absolument pas de ma faute si on ne peut plus avoir de fusée. Ce n'était pas nous. Ouais, encore toi, Dro, ça va. Ouais, mais moi je préfère la jouer safe que. Yoda, tu veux pas juste reculer 2 secondes? Si, mais là. Juste, tu vas comprendre. Voilà, merci. Les bonbonnes qui étaient devant toi, je les ai fait péter. C'est pas bête. Ça, c'est des morts cons en plus. Quelle sagesse, Dro. Dro il connaît tout. C'est sa force, c'est son talent. Oh mais moi les bonbonnes combien de fois ça m'a tué du coup. Ah non mais c'est pas cool. Tout là où les vies ont compté quoi, c'est des morts tellement cons, tu t'en veux. Moi ça me rappelle les pipettes qui pètent dans Call of Duty. Ah ouais, y'a ça. Ah combien de fois j'ai pété ma les voitures aussi. Ou les voitures. C'est les voitures qui pètent dans Call of Duty. C'est horrible. Oh, tu fais un duel, tu t'exploses. Non mais ça m'est arrivé quand je voulais terminer l'émission solo en la plus haute difficulté. T'as saigné. Putain, vas-y, je recharge rien là. Les baumes. Vous avez été tué par une grenade. Non, par un baril. Faites attention, baril, ils peuvent exploser. Et après, t'entends. Il reste un petit. Il doit avoir un option encore là-bas au fond derrière. Des sorties des chiens et il envoie une nova sur le char. Non mais les, c'est. Cette salle, c'est une grosse salle et la nova. Après le dernier char, les chars en fait ça va, c'est enfin il y a que le premier qui roule, le deuxième ça va, il est pas. Le pion il est mort au fond. Je sais pas, je l'ai pas tué. Je pense pas. C'est moi, je l'ai tué. Il est mort. Oui. Ok d'accord. Je peux mettre un finisher sur lui hein. Monsieur mes fesses. Vas-y, c'est bon. Merci. J'ai des verres derrière, je retourne les prendre. Tu me dis quand t'es bon. C'est bon. Super, attrapez-la et. Quel est le plan? Pim. Qui a besoin d'un plan? Prenez l'objet radioactif et mettez-le à proximité d'une explosion. Le voilà, votre plan. Péafline, on le. Prochaine salle, je vais vous mettre une bulle. Le vaisseau. Enfin, le. Oh, le pion. C'est chiant en fait, dès que je me montre. Les pions sont morts. On fait le bloqueur au fond ? À part taper l'Ariana en vrai.
Le javeline, nickel. Qu'est-ce qu'on lui met quand même, c'est hallucinant. Chien. Cassez-vous, ouais. Nice. Waouh, waouh, attention. Attaque-nous. T'as ta flèche ? Il en reste un. Ouais, j'ai ma flèche. On aurait dû faire un... Je la mets dans la porte ou je la mets au fond ? Je la mets dans la porte. Dans la porte ? Ça avait l'air d'un bon dunk. Un dunk ? Oui, c'est le mot que les gardiens utilisent quand ils balancent une pile à combustible radioactif dans une boule d'aération, tu ne comprendrais pas. Oh, j'ai pas ma grenade. Mauvaise idée ce que j'ai fait. Quasiment mort. Je peux mettre un finisher ? Oh ! Je suis passé devant toi. Oh là là. Oh là là, pourtant je me mets bien loin de vous exprès. Hein. C'est bon, heureusement qu'on l'a esquive. Yo, salut bébé. On l'a esquive. Si un mob en bas, on peut faire un finish. Genre moi, je peux faire un finish. Ouais, ça m'aiderait ça bien. Ouais. En vrai, on peut en faire un chacun. Ouais, mais vu que déjà un mob, comment il nous met cher. Ouais, moi, je peux y aller en fufu. Là, il y en avait un. Fallait le laisser lui. Lui, je peux y aller là. Et là, celui-là, on va faire un. L'autre aussi, c'est bon. Nice. Relax. Ça va très très bien toi ? Oh bien sûr, il a amplement mérité tout ce que cette escouade va lui faire subir, comme tous les autres. En vrai, la plus dure ça va être la semaine prochaine, je pense, non ? Pour moi, la plus dure c'était le grand. La semaine prochaine, il y a tous les champions. La dernière était très très dure. Il y a les trois. Mais la semaine prochaine, il y a tous les champions. Ouais, va être dur la semaine prochaine. Je croyais qu'ils pouvaient pas, qu'ils étaient obligés d'en mettre que deux. Non. C'est celle que j'ai farmée d'ailleurs en 1030, je la connais par cœur. Ah oui, je me rappelle, tu m'avais carry. Tu m'avais emmené. Bah justement, la semaine prochaine, tu vas y aller. Ça va être tranquille pour toi. Enfin, tranquille. Niveau des strats. Ouais, les champions, par contre, je sais où est-ce qu'ils pop, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ça, la semaine prochaine, je la connais par cœur. Ouais. Tu sais, toi, tu sais toujours où te placer à chaque fois dans toutes les salles, c'est abusé. De toute façon, la semaine prochaine, hein, c'est donc, on peut y aller là, non ? Radiance flèche obligatoire. Hein. Ouais, la salle, je me demande vu la salle du boss, ça va être obligatoire. Ouais, je me demande même si Lynn devrait pas passer en chasseur là si ça passe pas. On verra. Plutôt bulle, parce que c'est pas vraiment utile. Ouais, on verra, moi ça me dérange pas. Où il faut. La semaine dernière, c'est ce que vous aviez fait, non ? Après Dead Fives, tu t'es mis en chasseur. On avait pris deux chasseurs, un arca. En vrai, je pense que deux chasseurs, un arca, c'est mieux. Après, la semaine prochaine, il faut un titan, je pense. Hein. Non, surtout pas. Non. La salle du boss, c'est. Ça sert à rien. Il est mal placé de ouf là. Il m'a pas lâché une seule verte vraiment. Oh, je vais être dans la merde, j'ai que deux vertes, putain je comptais sur lui vraiment depuis tout à l'heure, il me reste tout le temps. La semaine prochaine c'est comment il s'appelle déjà ? Le geôlier. Geôlier du néant. Geôlier. Dans la prison des vétérans les gars, celle-là elle est vraiment... Elle va être hardcore. Putain. Pour moi je pense que c'est l'une des plus dures. Vraiment. Plus dure que la semaine dernière à ton avis ? De par les champions qu'il y a ouais. Mais pour toi elle est plus dure que celle de la semaine dernière ? Hein. Elle est différente. J'ai une bulle, je vais la mettre, hein, je pense. Vas-y, comme ça j'ai ma flèche. Ouais, mais allez, go mettre la bulle plus devant, non ? Ouais, c'est pour ça. Viens, dès que tu peux, hein, vas-y. Hein. Non ! Défoncez, rentre dedans.
Non, non, bah non, je vais tenter au corps à corps, t'es ouf ou quoi? Ah, bah là, je me fais des boîtes si je sors. Oh, Dieu, moi, lancer ton bouclier. Oh, j'ai lancé un bouclier, mais t'es passé devant et ça l'a back. Tu manques d'optimisme, Starlin, je trouve. Comment? Tu manques d'optimisme, t'es un titan tapé là, vas-y. En plus, avec ce titan là, t'as pas le moyen de te protéger avec le bouclier? Si. Non, mais jamais je tente un corps à corps en me protégeant au bouclier là-dedans. Non, mais fouille pas, je sais, tu vas te faire violer, c'est clair. Vous jouez pas titan, hein. Là, tu te fais déglinguer. Ah yes. Ouais non, c'est clair. La puissance des gens là. Ouais. Putain, je galère à voir. Là, j'ai plus de mun à part les blanches. Hein. J'ai plus rien vraiment. Je suis à poil. Oh, il y en a là. Par contre, faut se rapprocher au bout d'un moment. Hein. Ouais, j'y vais. Parce que taper à distance tout le temps. Ah, j'en ai là aussi, c'est bon. Attends, Lynn, on va défoncer le char. On va bien récupérer ma grenade. Messieurs, t'es moi. Ah, c'est l'autre roue qui est derrière, complètement derrière. Et qui se prend en fait. Bon, je vais attirer l'implacable peut-être. Attends, j'en ai lu, s'il n'y a pas des vertes pour moi là quelque part, il n'y en a pas. Moi j'en ai plein là. Je suis vraiment galère. Quelle belle grenade. Il faut faire descendre le monte-charge. Trouvez le poste de commande. Comme d'hab, ésotérique qui veut à la soloté. Bah, elle a fini là. Hein. Je pense que là, il a fini de la soloté. Ok, il l'a juste pas posté encore. Déjà la semaine dernière il l'a fait plutôt rapidement en plus. J'hallucine comment il fait pour soloter ça quoi. C'est... Ah, celle de la semaine dernière après sa strat-boss elle était bien parce que il y avait pas trop de risques hein. Mais c'était avant où c'était compliqué mais sa strat du boss elle était bien. Ah bah Finola je pense qu'il l'a déjà solo hein, le connaissant il les 22 heures ça fait 3 heures. Le boss est quand même, le boss est quand même pas facile tout seul hein, sans celle-là. Mais si en vrai, s'il a fait la... je vais mettre un finisher. Il fait les strats les plus safe. Et s'il a fait la strat grenade plus ok, go se mettre derrière. Ouais. Allez. Alors attends, on va te mettre derrière, juste. Enfin non, tu peux y aller pas. Voilà, vu qu'elle est assez simple, enfin pour le niveau d'ésotérique ça c'est facile hein, donc Oui. Le plus dur c'est au boss hein, en solo je pense. Enfin quoi que tu me diras, les chars aussi. Non, pour moi le plus dur c'est au char. Ah bah il l'a fait, il y a 48 minutes. Hop. Et elle dure 51 minutes. Ouais, il est humain, ouais, je confirme. Déjà j'arrive pas à soloter un assaut moi, alors il y a une nuit noire. C'est nul de non. T'en as eu un ou pas? Oh la flèche. La flèche trop bon. Bien joué. Moi je pourrais sur le télé noir quand on sera à 550 000 de lumière. Là je pense que ce sera jouable. Pour la 1030? Ouais. Voilà ouais je pense. Pour mon niveau en tout cas. Non mais j'avoue qu'il est super fort ce mec. Il a solo aussi le protocole d'intensification. Des vagues. Putain. Je fais des vertes. Pas. Non, ok, je fais pas de vertes. Ouais, il dégoûte un peu, ouais, c'est ouais. Il dégoûte beaucoup même. On fait comme tout à l'heure, on descend, vous activez en bas, j'activais là. Ouais, mais faut les attirer les mobs. Sinon, ouais, mais on va se mettre là dans la montée, c'était bien là. Vous n'allez pas me croire. Laissez-moi deviner. Je vais mettre une bulle derrière. Non, mais quand tu dis que t'es un niveau convenable, tu regardes ces vidéos. Oh, attends, ta bulle elle va m'aider pour un truc. J'ai envie d'apprendre. Vas-y Drew. Que va faire Drew? Yes, dans le char. Allez hop. Ah t'as chargé la grenade? Oh dans le char.
Oh mais qu'il est fort, monsieur LFS. Attention derrière, derrière. Attention, derrière un mob. On recule. Je sors. Hein. Faites juste gaffe au char en haut. La bulle est déjà morte. Hein. Ouais mais toi. Faites gaffe au char, faites gaffe juste au char. Il y a des mobs, il y a des mobs qui me tirent dessus là. Là là là, en dessous. Yoda. Ils sont les implacables. Il y en a un qui est descendu là. Il y en a 3 sur moi. Il y a Lynn, viens vers nous, fais le tour. Ouais ouais, tranquille, moi je contourne, de toute façon je... Il me semble que ça... Non, c'est pas... Non, c'est un américain. Je sais pas sa nationalité, ouais. Non, non. Mergent l'a dit, il est américain. L'implacable d'abord ou... Ouais. Oh, c'est américain. De toute façon, Mergent, il joue pas avec Derek. Hein. Il joue avec lui. Mergent aussi, il a sauté déjà des trucs comme ça. Viens. Oui. Viens là, viens là, viens là. Il n'y a plus la motive de le faire. Lui. Après, tu sais que, enfin, je veux dire, à force de faire des trucs comme ça, tu arrives à les soloter aussi. Hein. Oui, oui. Parce que c'est parce que les mecs qui font ça, ils se butent à ça, quoi. Mais ouais, ça ils sont vraiment patients. Un entraînement pour avoir la strat, le placement des ennemis. Les ésotériques, ils stream pas, donc tu vois pas. Ah, mais l'Ariana, c'est génial. Et tu regardes des Ariana, c'est la vie. Je fais un finisher. Ok, j'ai rien dit. Il y a l'implacable qui va arriver. Je pourrais faire un finisher sur lui si vous voulez. Hein. Il est où? C'est bon, je crois. Nice. Allez, go faire le char. On remonte. Il est beau ton finisher. C'est un anglais apparemment, Zotek. C'est pareil, il y avait un mec, tu te rappelles bébé en zombie là? Comment il s'appelait? Tu sais, il y avait un mec, il parlait jamais dans ses vidéos ni rien. Il faisait jamais de commentaires, mais il était trop chaud. Je crois qu'il était finlandais. Tu te rappelles de lui? Oui, mais je sais plus son pseudo, ça me revient. Je sais plus c'est quoi son pseudo. Sur Destiny. Et c'était un mec, non, en zombie, il était trop trop chaud, je sais plus comment il s'appelait. Ça me dit un truc. Non, faut être patient. Et puis avoir des partenaires auxquels t'as confiance. Pour bien jouer. Donc pas moi. Je peux faire un finisher si vous voulez. Vas-y. J'ai pas besoin. Pas le dans la tête. Voilà, pour ceux qui veulent des... On dirait qu'il je vais mettre une grenade à la sortie des chiens. Vas-y. Je mets la mienne aussi au cas où. Nice. Bien joué. 15 vies, hein, on est bien là. En plus, on peut encore... On est mort qu'une... Il y a eu qu'une seule mort, je crois, les gars, dans le... Non, deux morts. Non, moi, je suis mort une fois. Qui est mort une fois? Il y a non, c'est moi, pas Lynn qui est mort tout à l'heure. Non, c'est pas moi. Ah, excuse... ah oui, c'est celle tout à l'heure. Bah non, je crois que... Moi, je suis mort une fois, sûr. Je sais pas s'il y a d'autres morts. Non, non, je pense que c'est bon. Je sais pas, hein. Coucou YouTube, hein. On verra sur YouTube. Hein. C'est les try. Hein. Si on voit le boss, ça sera sur YouTube. T'es mort deux fois. Parce que ça sert à quelque chose de taper. Après, sur Destiny, il y a un truc aussi qui prend. Enfin, il y a le skill, on va dire, mais t'as aussi un truc qui est hyper important, c'est le stuff, les mods, etc. C'est hyper important aussi. Ouais. Bah, ça, oui, c'est clair qu'il faut bien se préparer. Tu vas pas avec ton sexe et ton couteau. J'attends qu'il se barre, le gros. Il est parti. Bah, si tu vas à poil, si tu tapes à l'ésotérique, là, lui, il y va avec les armes blanches, tu sais. Même lui, il y va pas à poil, c'est ça le pire. Ah, bah oui. Même lui, il a un stuff réfléchi et ultra réfléchi à chaque fois. Bah, il faut, hein. Sauf qu'il c'est ça, tu dois aller faire plusieurs fois, analyser les trucs. Un implacable en bas qui nous push. Vas-y, on le fait. Il a les strats les plus optiques par salle, en fait. GG la grenade. Non, non. Oh, il me focus, il te stun. Je viens de passer un niveau, j'ai eu un super gratos. Oh cool. C'est bon, ça. Dommage que ça soit pas arrivé sur le boss en vrai. Hein. Putain, ça serait arrivé dans la salle du boss mon gars. Non j'avoue comment tu t'es fait focus par contre. Ok, elle était derrière moi quoi. Ouais mais... Ah mais tu sais il m'a stun, impossible de reculer, bref la totale quoi. Oh, y'a une bulle tu sais là. Quoi il est pas parti tout seul, on va dire. Allez, salut, y'a une bulle, y avait une Nova Gratos, elle est partie dans le tas. Bien joué. Ah oh bah. Ah ouais, il vient de passer un niveau. C'est le festival. Oh putain, bien joué. La Nova était bien calculée là.
Je vais la mettre au-dessus la bulle, hein, les gars, parce que là c'est pareil, j'ai du super donc j'ai ouais, plein d'or. Ouais, go l'utiliser, vas-y. Hein. Si le réserve, ouais, elle est au-dessus. Hein. Je récupère les orbes derrière, ah, les orbes de la Nova. Je pense pas que ça soit Relaxing N. C'est quoi ouais, voilà, c'est Relaxing N. C'est si, Relaxing N, ouais, tout à fait. Ouais, voilà, voilà, oui. C'est lui. Ah putain, je ouais, c'est lui. C'est vrai qu'il est fort cet enfoiré. Après, je sais pas s'il fait encore du zombie, mais en zombie à l'époque c'était incroyable. Il en fait beaucoup. Il en est. Là maintenant en fait il fait des vidéos ASMR de c'est un peu tu sais ce joueur introverti qui... Ah bah il parle jamais hein. Il s'exposait pas trop mais qui était super bon. Mais vous avez très peu que vous faisiez des unboxing. Ah oui, il faisait des unboxing ASMR. Avec des gants. Ouais exactement. Ouais ouais. Et ouais. Et que je veux dire, mais vous l'avez vu en vrai ou... Ah il focus ou... Non bah lui en fait... Si, je crois que je l'ai vu à un event. En fait le truc c'est que tu sais pas qui c'est, je peux pas savoir qui c'est le mec. Il faisait des unboxing avec des gants noirs là pour pas qu'on grise ses mains et tout. Et maintenant c'est avec des gants blancs. Je veux bien finir sur le map qui reste. Il est fort, j'avoue. Il est où le petit légionnaire là. Vas-y, j'y vais. Rastogol 88, t'avais raison, c'est mieux Relax N. J'avoue que là faut vraiment qu'on se mette full Ariana pour la salle du boss. Hein. Il reste une tourelle en haut. Ouais, j'ai vu des gameplays de lui, il est fort, je reconnais tout ça fait. Ah, je les ai ratés. Il arrive à faire des victoires royales sur smartphone qui lag et tout sur Fortnite. Ok, ouais. super. Oh putain. S'il meurt pas, j'ai fait un finisher sur lui. Quoi ? Ouais, il focus et. Mmh. On a perdu des vies bêtement là. Oh merde. Ouais, on en a 17 encore. Mais je pense que du coup, je pense qu'il y a moyen d'avoir 25 vies au moins dans sur ce boss là. Facile, hein. 25, ouais. Non ? Cliff, les tourelles. En haut là, non, les tourelles en vrai, on les. En fait, j'ai été gourmande, j'ai vu qu'il quoi y avait des SP aussi. Qu'est-ce qui a pété le tonneau là ? Moi ? J'ai failli mourir, je suis pixel. Tu vois, les tonneaux veulent saboter la tour. Je peux. T'as vu les tonneaux ? Je peux. Ouais, vas-y. La noire est plus dure que celle d'avant. Non, celle de la semaine dernière était plus dure. Je vais mettre une grenade chargée dessus. C'est la salle avec les deux chars qui est un peu compliquée. Mais... Apparemment, je disais. Parce que celle de la semaine dernière elle était salée, apparemment. Ils sont tous morts ? Oui. Oh, c'était magnifique. GG Drew. Peki Fortez. Je vais me faire doser par les gars. Allez, bon courage. Hello ma cap, j'ai pas de cap. Vous avez vu, il y a un bug, j'ai pas de cap. Ouais, c'est bah, ça faut aussi avec les arcas quand tu vois leur sale. Le 1000 voix, c'est vraiment pas l'arme qu'il faut, hein. C'est pas possible. Ah non, c'était sûr, le 1000 voix. Ah non, c'est pourri à moi. Xenophage à la limite. Pourquoi t'as pas pu lui mettre non, ah, mais non, le temps que tu charges le 1000 voix, il te stunt, hein. C'est mort. J'ai la res. J'avoue que le Xenophage, par contre, ça doit être hyper bien. Pas mal, hein. Ouais. Avec le torse. Par contre, t'as vu que je l'ai mis Nova, il est parti. Hein. Pour toi, qu'est-ce que tu fais ? Bon, tu fais encore le taper, je crois. Hein. Il a fait déchirer, bien joué. Hein. Regarde-moi ça. Ouais, mais c'est bien. Car. Mais non, mais bien joué, hein, franchement. Ouais, mais là, il peut encore. Oh, y'a un spawn ! Il continue de l'attaquer pour qu'il. Attention, les mobs ! Comment il s'est refermé ? Ouais, j'ai les mobs, les mobs, hein. Ça spawn, hein. Y'a un batteur. Wow. Voilà, on est tous au même endroit, mauvais bail, bail sombre. Oh. Bail sombre. Le batteur il est où ? Ok. Non, il a bougé quoi. C'est bon, je le tue, tire pas. Oh putain, l'esquive rotative du sommet, j'avoue. Ouais, ils vont réussir là, je pense. Ils ont 14 vies, ça devrait passer crème. C'est full clean, je crois. Si je joue safe, ça passe à vite. J'ai une bulle. J'ai une flèche et je la mettrai dès qu'il spawn là. La bulle, je la claque. Ouais, attends, est-ce que je mets la flèche là sur ce spawn là ou je garde pour les chiens après ? J'ai claqué une bulle donc tu. Non, en vrai, je vais la récupérer, ouais, vas-y. La bulle, je la mets où ? Attends, quand on posera la boule, la charge, je te dirai. Ouais. Canon tracker. J'ai déjà des mobs là. Qui propose 4 tracteurs, ça pourrait être pas bête. Non, puis un tracteur faut être trop proche. C'est trop dangereux. Ah oui, c'est vrai que c'est trop dangereux. Divinité, ouais, à la limite. Ouais, mais divinité, ça retire un Ariana d'un ennemi, d'un personnage. Ah, c'est fou l'orbe par terre pour moi. Surtout que ça retire un Ariana quoi.
Non mais l'Ariana c'est génial. Non, tu récupères pas beaucoup de verte hein, sur cette nuit noire par rapport à celle de tout à l'heure. C'est un des meilleurs exos. Ça spawn derrière ou pas? Non, ça va pas spawn. On va se mettre comme avant mais un peu plus en retrait. Un peu plus derrière. Pas, en gros pas au premier coin mais au je sais pas au deuxième par exemple. Ici là quoi. Ouais ouais. Prêt? Vas-y go. Balance. Attention les lasers. Hein. Totem. Je dis ça et c'est moi qui meurs. Je vais le raise. Ouais. Fais gaffe au chien. C'est pas drôle, c'est parce que t'as ta Nova à trou? Non, pas du tout. Oh merde. Les tours, elles me tirent dessus, je sais pas pourquoi. Les chiens spawn. Attention le mille bois. Hein. Il fait mal, hein. Bien joué. C'est vrai qu'il est long à charger. Oh. La bulle est déjà morte. Hein. Oh putain. Je fais un tour de salle là-bas, il y avait plein d'orbes, je reviens. T'as des chiens derrière toi. Oh, non, c'est bon. Oh, nickel, elles sont encore là. Oh, il a fait plein de petites orbes aussi là. Putain, la bulle elle a fait 5 secondes quoi. Ah ouais, la bulle, dès que le boss il a smat, elle survit pas. Hein. Un ou... T'as ton Nova ou pas, Drew? Non. Mais je vais me rapprocher là, je vais l'avoir. Corpus, l'autre côté, je les ai vus. Ouais. Bien joué. Bien joué. Des chiens, il y a des chiens qui spawnent sur moi. Oh, il y en a plein sur moi d'ailleurs. Oh, wow. Je crois qu'il y a le boss qui m'a tiré dessus. Le boss, il a masse de dégâts là, il prend masse. Hein. Ouais, ouais, je sais, je vais mettre. Il a un tiers de vie, il va partir. Il y a plein de chiens sur moi, plein de chiens. Oh putain. Ah, je pensais pas qu'ils allaient me taper là, vraiment. Bon, en fait, ils ont tous focus Yoda. Ah, c'est parce que j'étais okay, planqué en train de mettre full vie sur le boss, full lourde. Ça va, vous êtes à 13, c'est là. Là, ouais, t'as ta flèche ou pas? Ouais, j'ai ma flèche, ouais. Attention, batteur! Oh, y'a plein d'ennemis, y'a pas que le batteur. Batteur mort. Non, je vais mourir, je suis mort. Oh merde. C'est qui m'a tué? C'est le batteur qui m'a tué, putain. C'est de la rigolade cette nuit noire, on l'a fini. Ah non, c'est celui qui a largué les ennemis, tu t'es pris les canons d'ennemis. Est-ce que le batteur il était non, là? Non, batteur, tourelle de batteur cabale, il m'a tué. Là, ils sont sur mon spectre. Il y en a un là, il y a un légionnaire en bas. Elle est beaucoup plus simple que la semaine dernière. Là, on a merdé tout à l'heure, c'était la salle avec les deux chars là. Je vais mourir. Non, dis pas ça à toi. Il reste juste un légionnaire hein, sur Drew. Oh là, il y en a trois qui arrivent. Pas qu'un. Ils arrivent tous là. Putain, vas-y, je meurs à chaque fois au mauvais moment. Ça va. C'est qu'un petit contre-temps. J'ai bientôt mon ult. Hein. Il en reste un et après ma res elle est safe. GG. Franchement bien joué. J'ai plus de lourde. Ok. Hein. Ouais moi non plus, lourde j'ai plus rien. Je vais prendre la charge, attention ça va spawn. Ouais, je mets la flèche pareil comme tout à l'heure sur la plaque. T'en es où au niveau de ta Nova? Je vais venir récupérer tes orbes. Ah, tu les as fait très proches, mais je vais venir récupérer tes orbes. Oh, faites gaffe, ça spawn de fou là. J'ai l'impression que la flèche fait moins d'orbes qu'avant. Ça dépend du nombre de mobs que tu attires dedans. Etc. Je vais vous mettre une bulle près de la truc. Attends. Hein. Après. Enfin, on sera moi, en galère. Je tue tous les mobs. Je préfère être tranquille. Attends, je crois que je vais mettre un finisher sur lui là. Ah non, dommage. Ah, c'est bon, il m'a donné des vertes. Il en reste pas? Non, c'est bon, go. J'ai pas l'impression. Je vais. T'as ta bulle? Oui. Ok. Dis-moi tout. Alors, ce que j'aimerais, c'est que tu poses ta bulle, genre ici. Ok. Et à quel moment? Quand tu poses? Quand je pose, tu la poses ici. Moi, je sors, je mets une grenade, une Nova. Et on se pète, on nettoie les mobs, on fait comme on peut. Non, j'aime pas les modes de saison. Prêt? Ouais. Allez, allez, vas-y. Allez. Go. Ça va marcher, ça va déchirer. J'attends au max.
Le plus haut. Bulle. Faites gaffe, hein, parce que la bulle, il va la smat, mais ouais, vraiment. Ouais, non, mais là, il a mis trop cher la bulle. Attention, faut bouger, il fait que bouger partout dans il la salle. Il faut qu'il se la bulle, ouais, il faut qu'il se la bulle en plus. Il est où là? La Nova lui a fait super mal. Il est sur moi. Il y a du pion en plus. J'en ai un. Deux pions. Il est où? T'as quoi? Je suis... Il est sur moi, je pense. Je vais mourir, moi, c'est sûr. Ouais, j'ai tout sur la gueule. J'avais 3 pions plus le boss. Allez. Il est mort, c'est bon. GG. Franchement, bien joué. Genre, j'ai pas eu d'éclat ascendant là, tu vas me dire? Oh, t'as eu, t'as eu un exo. Oh, dur. Non, j'ai pas eu d'éclat ascendant vraiment. GG, les gars. Au score max, on doit pas être ouf par contre. Oh, si vous êtes à 220 000, je crois. Bon, après le score max, on a cramé le pont. Moi, je fais pas ça pour le score max, hein. Je fais ça pour le triomphe là. Ah mais t'as pas eu d'éclat, ouais, c'est chelou dans mon temps. Ouais, j'ai pas eu d'éclat par contre, vraiment. Non. Ouais, j'ai eu que des prismes aussi. Hein. Bien joué, franchement c'était... Je crois que moi aussi j'ai pas fait gaffe à l'éclat dans la feed, mais ça m'a pas marqué. C'était fini. GG, merci pour les GG les gars, merci beaucoup. Non, franchement ils ont joué, c'était beau. Après ça se passe bien. Ouais, il y a sûrement moyen de le tuer plus vite avec des canons tracteurs etc. Mais bon, voilà, on a choisi de partir comme ça, c'est bien. Ça l'a fait. Beaucoup plus facile que la semaine dernière en tout cas.